Voici Info Toto avec Jacques qui a du mal. Ici Jacques qui a du mal. Les fameux 4x4 ont beau être des véhicules sécuritaires, n'en demeure pas moins que si vous prenez le virage trop serré, vous vous retrouverez sur le côté. Assurez-vous au moins d'être passé au guichet juste avant pour ainsi avoir un peu d'argent de côté. Ces voitures n'ont pas la meilleure tenue de route. Et attention, plusieurs pensent encore que tenue de route est une personne tenue dont on voit le trout. L'avantage du 4x4 reste toujours le différentiel. Et attention, un différentiel n'est pas un ennuagement soudain. Parmi les différents modèles, existe le Explorer. Pour plusieurs, bien sûr, Explorer n'est en fait que n'importe quel mot prononcé en mangeant une turtle. J'en parle d'ailleurs dans mon guide de l'auto. Plusieurs pensent encore que Guide de l'auto est le frère de Linda de Delotto. Il répète une coche. Qu'est-ce que le tableau de bord? On voit un peu. Non, le tableau de bord n'est pas la seule table disponible dans la section fumeur l'autre côté. C'est là où se regroupent les accessoires qui sont les lumières et les accès jour qui sont les lumières éteintes. Il se doit d'être ergonomique. Plusieurs pensent encore que ergonomique est le diminutif de ergonomie culotte. Y a une petite surprise. Parlant de cela, mesdames, ne vous laissez pas berner par cet homme qui vous dit qu'il a une voiture de collection. Car cela veut dire qu'elle a effectivement été saisie par une agence de collection. Jacques, j'aurais pas le choix d'être facile. Difficile à croire, mais une pénurie de voitures neuves se prépare. Effectivement, les voitures se fabriquent en série. Et on n'est pas parti pour avoir des séries cette année. Il a donné un coup de bâton sur la tête, c'est rien d'aller. Parlons de sous-compact. Inévitablement, quelqu'un compact devient sous. Voilà bientôt le moment de remiser votre tante roulotte. Plusieurs pensent encore que tante roulotte est la femme de oncle incarné. Ça marche pas, hein. Donne-y un deux. Comment se fait-il que l'industrie fabrique des moteurs de plus en plus puissants pendant qu'on parle d'environnement? Pourquoi ne les fabrique-t-elle pas pendant qu'on fait d'autres choses comme repeindre notre clôture ou cirer notre boule de curling? Mais ça marche pas. Plusieurs véhicules sont maintenant équipés de climatiseurs sans CFC. Qu'est-ce que le CFC? Comment veux-tu que je le sache s'ils l'ont enlevé? Ça me résonne dans les mains. Allez-vous arrêter vos maudites questions plates. Mais fais-y peu. Vous souvenez-vous de cette plaque fantaisiste que certains apposaient à leur voiture où il était écrit j'aime ma femme? Bouge, hein. Avouez que c'était tout de même moins étrange que s'il eût été écrit j'aime ma vésicule biliaire. Ouh, les fantômes. Si la sécurité routière est encore la première source de préoccupation, plusieurs pensent tout de même qu'une source de préoccupation est un ruisseau qui se ronge les ongles. Regarde ma vésicule. On dit qu'on a souvent une voiture à notre image. Dans ce temps-là, on a juste à changer de poste. Ça se fait, je vais mettre le feu au studio. On dit aussi que l'Ontario est la province de l'automobile. Bon, ben pourquoi un tel titre s'il y a seulement une automobile en Ontario?